Nous sommes en train de parler d'un thème fondamental, un thème très grand, important et profond. Nous parlons de connaître Christ, mais nous allons voir un aspect important ce soir, un aspect pas des moindres. Nous allons comprendre que si véritablement nous apprenons à connaître le Christ, il y a des choses que nous devons aussi saisir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons comprendre certaines choses et nous avons vu un pan ce dimanche. Nous avons parlé de quoi? Comment? L'alliance, notre alliance avec Christ. Amen. Qui est un mystère. Notre alliance avec Christ, un mystère. Ce soir, je voudrais qu'on gagne du temps et qu'on lise Luc chapitre 22. Si vous permettez, Luc chapitre 22, le verset 20. Amen. Amen. Verset 20, allons-y. Il prit de même la coupe, oui, après le souper, uh-huh, et la leur donna, uh-huh, en disant quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang. Qui est répandu pour vous. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous avons, levez la tête s'il vous plaît, j'ai parlé de quelque chose de très clair en parlant, en donnant un peu l'explication ou la définition de ce que c'est que l'alliance en tant que telle. Frère, l'alliance a plus de valeur que toute autre chose sur la terre. J'ai dit de lever la tête d'abord. L'alliance est un mystère. L'alliance a plus de valeur que tout. J'ai expliqué que les enfants d'Israël, nous avons pris l'exemple des enfants d'Israël qui ont crié vers Dieu pendant des centenaires. Ils ont pleuré, ils ont gémi, ils ont crié, ils ont tempêté. Mais vous savez, ces choses-là n'amènent pas forcément Dieu à entrer en scène dans votre vie. Si les pleurs, si la pitié et toutes ces choses devrait pouvoir amener Dieu à intervenir, mais Dieu allait intervenir dans la vie de plusieurs personnes. Je dis ces choses pour que nous soyons fondés sur la parole de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ces choses pour que nous soyons fondés, pas sur une pensée humaine, mais sur la parole de Dieu. Donc, il y a des hommes et des femmes qui aiment très souvent s'apitoyer. Le fait que tu fasses pitié ne va pas amener Dieu à s'introduire dans ta vie. La pitié ne règle rien. Les enfants d'Israël, la Bible dit, ils ont prié, parlé. La première génération, plus de 100 ans, passé deuxième, troisième. La quatrième génération que l'Éternel Dieu. La Bible dit en Exode chapitre 2, verset 24 et suivant, et chapitre 6, que les enfants d'Israël maintenant n'arrivaient même plus à pleurer, mais maintenant ils gémissaient. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un gémit, c'est qu'il est au bout du rouleau. Un homme peut avoir des problèmes et puis il parle. Il crie. Il tempête. Mais quand vous voyez quelqu'un assis et que c'est par sa respiration simplement, c'est qu'il n'a même plus la force de parler. Et certainement que les enfants d'Israël, en gémissant, dans leur gémissement, ils ont dit à Dieu, même si tu ne peux rien faire pour nous, mais souviens-toi au moins de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez, quand vous allez demander un service à quelqu'un qui a connu votre père, peut-être que votre père l'a aidé dans sa vie, et qui ne veut pas vous aider, et que vous rappelez votre père pour dire, que même si tu ne veux rien faire pour moi, tonton, souviens-toi qu'un jour, j'étais petit encore en 72, tu étais chez nous à la maison. Mon papa t'a aidé. Frère, même s'il n'a pas de cœur, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si cet homme n'a pas de conscience, mais à cause du rappel que tu as fait à cet homme, Dieu, dans son amour, va se saisir de ta parole pour parler à son cœur.
Et il va dire, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais écoute, quand tu dis ces choses, tu vois, j'ai la chair de poule parce que, tu vois, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Assieds-toi. Tu as besoin de combien? Souviens-toi de ce que mon Père fait pour toi. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel, même dans nos prières, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, rappelez. Rappelez quoi? À ma mémoire. Pas que Dieu oublie, mais Dieu veut t'amener à lui rappeler véritablement. C'est sur quoi tu t'appuies. C'est pourquoi le monsieur appelé Bartimée. Vous vous souvenez dans le Nouveau Testament quand Bartimée, Jésus passait, Jésus est rentré en Jéricho. C'est vrai, pour des raisons diverses, il n'a pas voulu crier. Jésus sortait de Jéricho. Et la Bible dit que ce monsieur a dit, Jésus certainement l'a remarqué, mais Jésus l'a vu, Jésus l'a dépassé. On ne sait pas ce qu'il allait faire en Jéricho, mais il sortait. Vous savez, il y a des situations comme ça dans la vie. Où Jésus rentre dans une situation, il rentre dans un lieu, il rentre dans un endroit, dans une église, dans une assemblée. Mais il ne sortira pas sans avoir réglé ton cas. Quand il sortait, la Bible dit que Bartimée l'a interpellé. Peut-être que Bartimée a crié, Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus, là, tu n'es pas le seul à dire ça. Plus il disait Jésus, c'est les gens même de la foule qui lui disaient, regarde, tais-toi. C'est pourquoi même? Il ne t'a pas vu tout à l'heure là. Quelqu'un qui sait tout, il est omniscient. Quand il t'a vu là, s'il voulait faire quelque chose, il allait quand même faire. Laisse-le, ça fait depuis matin on n'a pas mangé, on s'en va comme ça pour prendre notre nourriture. Vous savez que souvent les apôtres même sont plus zélés que le roi lui-même. Il y a des gens, vous les mettez autour de vous, ils sont plus zélés même que le patron. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu es venu demander l'argent à quoi à notre patronne? Rentre à la maison. C'est comme ça qu'on fait pour gâter le don des gens. Avant, je t'ai remarqué, tu avais dit, c'est pas moi. Il faut aller, on va, mon patron n'est pas là. Et puis toi-même, tu sors, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais quoi même tout à l'heure là? Apprends-tu plus zélé. Soyons amour. Jésus continuait son chemin quand le monsieur a crié « Fils de David, même si tu ne veux pas faire quelque chose pour moi en tant que sauveur, mais souviens-toi que tu sors des reins de David. » La Bible dit, Jésus s'est arrêté pour dire « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Mais il n'est pas le seul malade. Mais ça dépend de comment il a interpellé Jésus pour lui dire « Souviens-toi de ta filiation. » Jésus, souviens-toi d'où tu sors. Les enfants d'Israël, dans leur gémissement, ont crié vers Dieu pour lui dire, tu n'as plus rien pour nous. Ça fait des centenaires qu'on meurt. Même si tu n'as plus de miracle pour nous, plus de délivrance, plus de libération, souviens-toi, Dieu, de ton alliance avec Abraham. Souviens-toi de ton alliance avec Isaac. La Bible dit la même année, Dieu s'est souvenu d'Isaac. Ce n'est pas aujourd'hui écrit. Pourquoi c'est maintenant qu'il se souvient? Mais ça dépend de ce qu'ils lui ont dit. Vous savez, dans le gémissement, tu dis des choses. Il n'y a pas quelqu'un qui gémit et puis il parle et puis ça n'a pas touché le cœur de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me souviens une année. Une de mes parentes. M'a poussé à bout. Je prends les faits de la vie pour vous enseigner la parole de Dieu. L'alliance est une puissance éternelle. Ce qu'aucune chose ne peut accomplir sur cette terre, l'alliance le fera. La Bible dit que Noé était dans le bateau, dans l'arche. La terre tout entière était noyée. Les animaux tous sont morts.
Les êtres humains tous sont morts. La Bible dit l'Éternel, l'Éternel s'est souvenu de Noé. Pourquoi? Parce qu'il avait traité alliance avec Noé. Regardez, quand Dieu traite alliance avec un homme, même s'il n'a pas envie de t'entendre, rappelle-lui qu'un jour, à la fin, pourquoi tu as sacrifié ton fils alors? Ce n'est pas à cause de moi. Donc tu as tué Jésus cadeau. Jusqu'à quand, Seigneur, je vais crier vers toi et tu vas me laisser dans cet état? Tu ne peux pas dire une telle parole à Jésus. Au Père, puis il va te laisser ça et tout ça. Je suis allé devant ma tante. C'est une femme que mon père a amenée ici à Abidjan, les années 40, 45, 50, voire même 60. Elle était très jeune. Quand mon père est décédé, un jour ma tante s'est levée et m'a dit des insanités, m'a maudit. Que j'ai dit il n'y a pas encore 10 ans. Elle m'a traité de tous les noms pour une affaire banale. Ça faisait déjà près de 10 ans, je ne suis pas allé chez elle. J'ai appris que son fils était arrivé. Je suis allé le saluer, c'est un de mes petits. C'est mon cousin. Parce que c'est la petite soeur de mon père, même père tout. Donc c'est un petit que j'ai vu grandir. Il était très petit quand il partait à la maternelle. Il est venu, je suis allé le saluer, je jouais avec lui. Ça va, ça fait longtemps, plus de 20 combien d'années, je ne t'ai pas vu. Ah, tu as grandi. Ce que j'étais en train de dire avec lui, il allait rapporter à sa maman, mais sous une autre forme. Ma tante a commencé à me maudire. Ce n'est pas la malédiction qui m'a fait quelque chose, mais c'est la façon dont elle m'a traité. C'est mon père qui l'a pris comme sa propre fille, et pourtant c'est sa petite sœur. Elle m'a trimballé chez plusieurs cas du village. Quand les gens ont appris ça, ils ont dit, tu parles de celui-là. Mais nous, on le respecte. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Il dit, non, voilà, il y est avec. Frère, l'affaire a pris une dimension mystique. Mystique. Je suis allé chez elle. Je lui ai dit, je te demande pardon d'avoir causé avec ton fils. Je pensais que c'était mon frère. C'est pourquoi j'ai ri avec lui. Mais tu vois, ma tante, je te respecte. Mais si mon père était vivant, mon père qui t'a pris au village, il y a au moins 55 ans ou 60 ans, est-ce que si mon père était vivant, tu pouvais me dire ce que tu as dit? Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, c'est tout ce que je suis venu te dire. Si mon père n'a jamais investi dans ta vie, tout ce que tu es en train de dire, ça pourra avoir un effet sur moi. Tout le village, tous les cadres l'ont condamné. Je suis en train de vous dire ces choses pour dire, l'alliance n'a rien au-dessus d'elle. C'est pourquoi quand un homme se présente devant Dieu et dit à Dieu, je suis venu, peut-être à cause de telle chose, mon offrande, Dieu dit passe. Ma dîme, oh, ne me dérange pas. Seigneur, je n'ai plus d'autres paroles. Laisse-moi te dire ceci et puis je m'en vais. Et je ne reviendrai plus. Sur la base de l'alliance que j'ai avec Jésus-Christ. S'il ne peut rien faire, c'est qu'il ne considère pas Jésus. Je voudrais rappeler ces paroles de l'Écriture pour que vous compreniez que la position dans laquelle vous êtes, quand la Bible dit que vous avez été béni de toutes les bénédictions en Christ, ce n'est pas en dehors du Seigneur que vous avez été béni. C'est dans le Seigneur, dans l'alliance. Ce que tu as et ce que tu auras, c'est dans l'alliance avec. C'est pourquoi le Seigneur dit, la coupe que je vous donne ceci, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance.
Dans la nouvelle alliance, je voudrais vous souligner, vous savez, comme je l'ai dit le dimanche, il y a des devoirs et il y a des droits. Mais je voudrais vous situer très rapidement pour ceux qui prennent note. Et comme il y a des gens, ils n'ont pas d'autre église que... Je vais saluer des gens qui nous suivent en Tunisie. Il y a plusieurs familles maintenant qui nous suivent en Tunisie. Je voudrais que vous preniez note. J'avais demandé aux frères s'ils pouvaient noter ça pour vous. Mais je voudrais le dire en quelques 5 points ce soir. Parce que le mardi prochain, nous allons en parler. Le dimanche, on va en parler. Tout ce mois, nous allons parler du mystère de l'Alliance. Pour mieux connaître celui en qui nous avons placé notre foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi quand tu dis « ma vie est sécurisée », ce n'est pas à cause de ta dîme, pas à cause de tes offrandes, même pas à cause forcément de tes compétences. Je vais te démontrer ça. Parce que tu n'en as pas, tu n'as aucune compétence, tu n'as aucune capacité, tu n'as aucune force. Je vous ai dit dimanche que le Seigneur a fait quoi? L'échange avec nous. Nous lui avons donné notre vie qui était en décomposition, qui était détruite, qui était notre vie qui n'avait pas de valeur. Et lui, il nous a donné sa justice. C'est-à-dire, tu t'es mis tout nu. Regarde ici, s'il te plaît. Tu as enlevé tout ton habit. Quelqu'un qui vient du village en haillon, il vient des champs, il n'a pas tout son habit là, déchiré, il sent des odeurs bizarres. Toi, tu viens des États-Unis, tu es en costume, parfumé. Tout ce qui est sur toi fait au moins 8 millions. Lui, tout ce qu'il porte là, c'est moins de 25 francs. Et on dit de faire échange. Il enlève tout jusqu'au caleçon. Il te donne. Et puis toi, tu enlèves tout. Tu lui donnes. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est ce que Jésus a fait avec toi. Donc quand tu marches là, regarde ici quand je parle, quand tu marches là, c'est pas toi-même. Tu dis quoi? C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit en Galates chapitre 2, j'ai été crucifié, j'ai été tué. Si vous me voyez, c'est pas moi, c'est pas Kwame Félix. C'est le Christ. Il vit sa vie dans mon corps. Il a pris un nouveau. Quoi? Un nouveau corps. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Donc quand quelqu'un dit, comme l'ignorance a fait que tu as partagé ton argent au prophète. Quelqu'un dit non, il va venir te tuer. En quoi tu es concerné? Il ne sait pas que le corps que tu as là, celui qui habite dedans, c'est un nouveau locataire. Oh, ta manière de répondre me décourage. L'ancien locataire là est parti. Le nouveau qui est dedans là, c'est lui le propriétaire du ciel et de la terre. La première chose, mettez médiation. Qui est le médiateur de l'ancienne alliance? Il s'appelle Moïse. Hébreux chapitre 9, verset 18 à 19. Là, c'est enseignement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'enseignement biblique. Il faut que. Tu vois, les gens disent, pasteur, quand ils parlent, nous, on ne sait rien. Vous savez, je suis en train de régler les problèmes. Je salue vraiment ses familles, ses pasteurs. Des choses graves que si je vous parle, vous allez dire, pasteur, là, tu ne dis pas la vérité. Mais demandez aux gens du média. Frère, les gens souffrent dans le monde. Hein. Souvent, quand tu es là, tu crois que tu n'as rien reçu. Mais si on te dit les souffrances que les gens ont, tu vas pleurer. Des églises où à l'heure où je vous parle, ma soeur, tu me pardonnes si je souligne ça, où le pasteur a interdit de manger cumagie. Il ne regarde plus la télé. Il ne doit plus se pommader. Il ne doit plus jamais, il y a de tout ce que vous pouvez imaginer. Il ne doit plus faire ça sur la terre s'il veut aller au ciel. Et ça, c'est au moins des cinquantaines de pasteurs. Il y en a en RDC, il y en a en Tunisie, il y en a au Maroc, il y en a en France. Les gens m'appellent tous les jours. Je leur donne des bases bibliques. C'est pour ça que je suis en train de donner un enseignement systématique pour que les gens comprennent que quand tu es devenu un avec Jésus-Christ, aucun mystique, même s'il a envie de te manger, laissez-moi vous choquer ce soir. J'ai dit, attends, quand quelqu'un est dans les moutons, va souvent.
quand quelqu'un est dans les moutons et qu'il a l'odeur des moutons, est-ce que ça fait de lui un mouton? Dis frère, faut mélanger ça. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, ils ont l'odeur. Nous, on est moutons de Jésus. Ils ont notre odeur. Est-ce que ça fait d'eux des moutons? C'est ceux-là que les sorciers mangent. Mais comme ils étaient parmi les moutons et qu'ils avaient l'odeur des moutons, les gens prennent pour des moutons. Oh, ils ne sont pas des moutons. Le fait d'avoir odeur de mouton ne fait pas de toi mouton. C'est nous les moutons de Yeshua. Il dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Ils n'écoutent pas la voix des étrangers, les bons gens. Médiation, l'ancienne alliance, c'est qui? Moïse, Hébreux chapitre 9, verset 18 à 19. La nouvelle alliance, le médiateur, c'est qui? Jésus-Christ. Quelqu'un dit alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Quel est le critère d'appartenance, critère d'entrée dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, comment on pouvait entrer? Quel était le critère pour entrer dans l'ancienne alliance? C'est pourquoi l'ancienne alliance est abolie. Mais dans l'ancienne alliance, quel était le critère? Je vous dis ces choses pour que vous compreniez les bases fondamentales de l'alliance. Donc, le critère pour entrer dans l'ancienne alliance qui est périmée là, il fallait appartenir au peuple d'Israël. Est-ce que nous, l'ancienne alliance nous arrangeait? Aidez-moi. Même si tu t'appelles Israël, est-ce que ça veut dire que tu es Israël? Tu es du peuple d'Israël? Donc l'ancienne alliance, pour entrer dedans, il fallait être du peuple d'Israël. Dans la nouvelle alliance, pour entrer, quel est le critère? C'est la foi en Jésus-Christ. Dès l'instant où tu t'es détourné de ta mauvaise foi, de ta mauvaise voie, pour te tourner vers Christ par la foi, automatiquement, tu rentres dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire là où tu es, tu viens de traiter une alliance avec Jésus-Christ. Quelqu'un est content ou bien n'est pas content? Est-ce que quelqu'un a placé sa foi en Jésus? Lève ta main comme ça, lève ta main. Ce n'est pas moi qui te force. C'est que tu es rentré dans une alliance avec Jésus. Est-ce que tu as besoin d'aller faire alliance avec un prophète? Répondez-moi, monsieur. Tu as besoin de faire alliance avec un prophète? Un archevêque? Un patriarche? Une matriarche? Une femme façon? Jézabel? Vous aimez des bêtises. Quelle alliance tu vas aller faire avec un mortel? Et avant, il y a des gens, des pasteurs même qui m'ont vu, pasteur quoi, mais on veut rentrer dans une alliance avec vous. J'ai dit non. Il dit, ah pasteur, là, la fin, c'est quoi tu veux? Mais est-ce que tu t'entends parler? Et même moi, je suis allé, il y a beaucoup de pasteurs. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu. Il y avait 30 alliances avec eux, ils sont d'accord. Il y a un qui m'a dit d'envoyer 300 000. J'ai dit, mais envoie. Ça fait pas rire. Les gens souffrent, hein? C'est-à-dire, quand tu es borné, tu n'as pas l'écriture, la connaissance, tu suis les gens, on dirait, bêtes. Quand tu vas traiter alliance à un archevêque, là, tu connais sa vie, et puis lui, il est qui? Et puis vous qui priez comme des tocards, qui me suivez sur Internet, le Dieu de mon père, le Dieu de mon pasteur, est-ce que tu sais s'il est encore dans la foi? Est-ce que tu connais le Dieu qu'il est en train d'adorer depuis une semaine? Est-ce que, soyez intelligents, tu ne sais pas s'il est encore dans la foi. Quelle histoire du Dieu de mon père? Tu veux prier, il faut enlever mon nom dans ta bouche. Fais ici, on se connaît. Après, ici, là, on se connaît où? Le Dieu de mon pasteur. Est-ce que tu connais où, dans quoi je suis actuellement? Vous aimez les trucs un peu bêtes. Parce qu'il voit sur Internet, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de mon... Son père lui-même en train de donner ses fesses. Donc le Dieu de son père, là, c'est qui? Il est dans le truc, les banzerets, les tafos, les locosieux. Il est dans des... Le Dieu de son père, là, c'est qui? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Quel est le signe de l'ancienne alliance? C'est le sabbat. Exode 31, verset 12 à 17. Il y a un signe dans l'alliance. Le signe de l'ancienne alliance, c'est le sabbat. C'est pourquoi, voyez, les Hébreux, comme ils sont restés dans l'ancienne alliance, eux, ils respectent le sabbat.
Je ne suis pas dans le sabbat. Je ne respecte pas le sabbat. Les sabbatiques là. Je ne suis pas dans l'ancienne alliance. C'est le signe par lequel on montre qu'on appartient à l'ancienne alliance. Il y a aujourd'hui des gens qui respectent le sabbat. Le samedi, ils ne sortent pas. Il y a quoi? C'est aujourd'hui le jour du sabbat. On est évangélique, mais on n'a qu'à respecter. Je ne suis pas de l'ancienne alliance. Parce que si l'ancienne alliance subsistait, la nouvelle alliance est caduque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent, vous n'avez pas la connaissance, vous jetez. Il y a un pasteur qui est venu ici, il va faire annonce. Bon, je suis sabbatique. T'attends. Tu es sabbatique. Sois sacrifié. Tu vas où est ton sabbat là? C'est sabbat ou bien sabbat? Sabbat là, c'est le signe de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance là, son signe c'est le sceau du Saint-Esprit. Le signe par lequel on savait que quelqu'un est dans alliance avec Dieu, dans l'ancienne alliance, c'est le sabbat. C'est pourquoi vous voyez, quand tu as violé le sabbat, Dieu te tue. Dans la nouvelle alliance, le signe de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Donc la nouvelle alliance, de nature essentiellement spirituelle, elle n'a pas de signe extérieur. Il n'y a pas quelque chose. On dit non, c'est le col blanc. Ouais, il faut marcher comme les prêtres, il faut marcher comme les strentaires. Marche comme ça. On dirait qu'il y a un œuf dans ton ventre. Et oui, ça c'est le signe extérieur qu'on appartient. Non! Nous on fait bruit. On marche comme des moutons. Le signe de mon appartenance est à l'intérieur de moi. Je ne m'habille pas comme un fou. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pas t'habiller comme une femme façon. Je dis le signe. C'est le sceau du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit par la bouche de Saint-Paul, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit, vous avez été scellés par le sceau de l'Esprit. C'est pour ça que ne vous laissez pas mystifier. Voilà un autre mouvement encore, les gens m'appellent de partout. Ils sont à Bobo ici, ils sont en... Jésus revient. Les saints, c'est des évangéliques. Les gens tombent en train, ils prophétisent, ils ne portent pas boucle d'oreille, ils ne portent pas rien, ils portent foulard, ils portent les robes, les longues robes. Comme les warabias. Hein? Porte pas mèche, porte rien, porte pas de boucle d'oreille, rien. Assomandi, tout ça, rien. Maintenant, où ils sont là? C'est-à-dire, il y a un qui tombe en train, qui parle. Jésus dit, Jésus n'est pas content. Jésus, tous les jours que Dieu fait, Jésus n'est pas content. Je ne sais pas si vous les voyez. Vous avez vu ça sur Internet? Au lieu de rire, mais ils sont en train de. Qui a vu ça sur Internet? Ça mélange tête des évangéliques. Il y a des gens qui sont venus, pasteur, c'est pas pour Dieu. Affaire de foulard là, si on ne porte pas, on va aller où? Foulard là ne sauve pas quelqu'un. On a dit de mettre ça, c'est le signe de votre soumission à l'autorité établie. L'autorité première, d'abord, ceux qui sont mariés, ce sont vos maris. Attends, je vais vous choquer ce soir. Il y a des gens qui nous suivent. Non, il faut que je te montre ça. Il dit, mais regarde, pasteur, et ceux qui portent pantalon. Je vous ai dit ici, c'est une affaire d'éthique et d'éducation. Je vous ai dit, moi-même, en tant que votre père dans la foi, de ne pas porter des choses serrées, qui va vous montrer tant. Je vous ai dit ça ou bien, je ne vous ai pas dit. Mais de là à porter des choses amples, sobres, et bien, il y a des gens qui aiment des conneries comme ça. Quand ils quittent ici, il a 8 pasteurs, je ne sais pas comment tu me vois. Mais s'ils te condamnent, il ne faut pas courir pour venir ici. Non, lis-nous. Jean-Claude, lis-nous. C'est quand ta tête est mélangée, ils se font, ils mettent sur toi, tu coules, tu viens. À chapitre 15, vas-y. Lis ça vite. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous gardiez ça. Lis. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant. Lis, on va gagner du temps. Hein? Lis à partir du verset. Le verset 22. Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir. Non, pasteur, pardon. Lis à partir du verset 18, parce que comme des gens nous suivent, ils prennent note. Il y a des frères qui sont dans des endroits où ils n'ont pas de Bible, ils n'ont rien. Ils sont en Europe du Nord.
et on nous a communiqué ça. Donc quand on parle là, souvent on parle dans la foule, wow, wow, comme si tout le monde avait Bible. Il y a des gens qui sont dans des endroits et n'ont pas Bible. On a un frère qui est en Espagne actuellement, qui vient de sortir du catholicisme. Ses parents l'ont rejeté. Et il suit à la lettre tout ce qu'on fait. Donc s'il vous plaît, quand on lit les choses là, c'est comme s'ils étaient ici. Lis, pasteur. Verset 18. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Mm-hmm. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent. Voilà ce que la Bible dit. Qu'on ne crée pas. C'est nous les païens. Quand on parle des païens là, nous sommes des païens convertis. Mais même étant convertis là, les juifs, au fait païens, lève la tête d'abord. Quand on dit païens là, les païens, c'est nous les nations. Nous qui ne sommes pas du peuple d'Israël, nous sommes des païens. Les juifs, eux, ils sont juifs. Mais eux, ils nous voient comme des païens. Même si on est converti, on est toujours dans la catégorie des païens, mais qui ont cru au Seigneur. Païen, là, c'est comme une nationalité pour nous. Donc, quand on a cru au Seigneur, les gens sont venus, certains, pour dire, non, si tu ne mets pas foulard, tu es maudit. Tu portes boucle d'oreille, tu es maudit. Tu portes chaussures, tu es maudit. Il ne faut pas porter pantalon, il ne faut pas porter tant, il ne faut pas porter tant, il ne faut pas porter. Quand le Saint-Esprit est tombé sur moi, il m'a dit, il y a Dieu qui s'est révélé. J'ai vu 3 ans. Quand ils sont venus, ils m'ont dit, celui qui ont porté mèche, je l'ai vu beaucoup, ils sont en enfer, ils sont en train de pleurer. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais je vais vous montrer ce que la Bible dit. Lis. Attendez, je vais vous montrer ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a écrit ça. Lis. Mais quand c'est chaud là, vous allez voir sur Internet, les gens vont vous effrayer. Il ne faut pas m'appeler. Prends Bible là. Lis. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Donc on ne doit pas créer des difficultés aux païens convertis. Ne leur créons pas d'ennui. Ce qu'on doit leur dire, c'est de s'abstenir des quoi? Des souillures des idoles. De l'impudicité. De l'impudicité. Des animaux étouffés et du sang. C'est des païens, c'est même pas des juifs. C'est de nous que Dieu parle. Donc voilà les 3 choses principales. Et tout se résume. L'impudicité sous toutes ses formes. En habillement, en comportement, en parole et autres, il faut t'éloigner de tout ça. Les idoles, tout ce qui peut occuper ton cœur plus que Dieu, il faut laisser tomber. L'impudicité, c'est pareil. Le sang des animaux étouffés. Parce que l'âme des animaux est dans son sang. Donc Dieu ne voulait pas qu'on prenne les viandes sacrifiées, les viandes de tabaski, tout ça. Il faut laisser tomber tout ça. Le reste là est secondaire. Il faut appuyer, frère. Quand vous êtes, vous les femmes là, tu es en train de te laver et puis tu es en train de chanter en esprit. Dieu est là ou bien il n'est pas là? Quand tu es kodio kodio et puis tu pries là, il entend ou bien il n'entend pas? Il y a foulard sur ta tête? Tu as porté pantalon? Kodio même, est-ce que tu as porté? Il est là ou bien il n'est pas là? Soyez sage. Tu es couché tout nu comme ver de terre. Tu pries en langue. Dieu ferme ses yeux. Tu vas devenir fou un matin. Et vous voulez les endroits où on vous mystifie. Oh Seigneur, voici ma peur qui a porté mèche. Ma sœur, tu es perdu. Ma sœur, tu es perdu. Il y a un pasteur qui m'a arrêté devant un jour. Il a dit, j'ai vu une de tes filles qui est rentrée. Pasteur, tout ce que tu prêtes, j'ai vu une de tes filles qui est rentrée en pantalon. Il dit, c'est ta maman? Il dit, non, comment ça? Non, c'est ta tante? Il dit, non, va ton chemin. Moi, je n'ai pas 2 paroles. C'est ta maman? Il dit, non. C'est ta tante? Il dit, non. C'est ta fille? Il faut la laisser rentrer à un pantalon. C'est les malades, ils sont venus à l'hôpital. Héritage, ancienne alliance, c'est la terre de Canaan. C'est pourquoi à faire de Canaan, là, on n'est pas dedans. C'est pour les Israélites. Dis Amen. Exode 23, verset 20 à 33. C'était leur héritage. On s'en va à Canaan. On n'est pas concerné par Canaan. Canaan, là, c'est la. J'ai dit Exode chapitre 23, verset 20 à 33. Quel est l'héritage de ceux qui sont dans la nouvelle alliance? C'est la vie éternelle. Jésus dit une parole. Il dit, la vie éternelle que j'ai donnée à ceux qui m'appartiennent. Et personne ne peut les arracher de ma main. Donc quand il parle des sorciers qui tournent autour de toi. Mais ils peuvent tourner autour de toi.
On parle d'arracher dans la main de Jésus. Est-ce que tu sais de quoi on parle? C'est pourquoi on dit, il faut le connaître. Je veux que tu saches que tu es rentré dans une alliance avec Christ. Et cette alliance, c'est pour l'éternité. Et que tous tes ennemis sont passés automatiquement comme ennemis de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le problème, c'est toi-même tu as ennemi, c'est que Jésus va se dresser contre toi. Quand il parle de retour à l'envoyé, c'est que Dieu va te tuer. Parce que Dieu dit, toi, c'est... Mais pourquoi il dit, aimez vos ennemis? Dis frère, pourquoi il a dit ça? Mais il dit ça parce qu'en vérité, tu n'as pas d'ennemis. Dis pourquoi? Mais tous tes ennemis lui ont été transférés. Tu ne comprends pas français quand tu as deux mangues et puis tu as donné ça à mon frère Junior. On dit, tu as combien dans la main? Tu dis non, quelque chose que quoi? Même tu n'as pas été à l'école, on dit, tu as deux mangues. Tu as donné les deux mangues à Junior. Il reste combien dans ta main? Et bon, je ne comprends pas bien. Non, là, ce n'est plus affaire d'église. Tout problème tu as pris sur toi là, quand tu arrives, Jésus dit, donne-moi. Parce que le problème est que tout ce qui tombe dans ta main, tu donnes à ton allié. Est-ce que quelqu'un comprend même? Mauvais comme bon, tout est pour lui. Parce que tout ce que tu prends là, ce qui tombe dans ta main, là, c'est pas pour toi, c'est pour ton allié. C'est pourquoi quand l'argent tombe sur toi, c'est pas pour toi. Tu es un gestionnaire. Envoie tout ça à ton allié. Parce que lui, quand il gagne pour lui, il t'emmène ça. Lui, ce qu'il t'a donné là, c'est la vie éternelle. Et c'est dans la vie éternelle là que ces choses-là sont en train de sortir pour se matérialiser. Est-ce que quelqu'un comprend? L'argent que tu as là est sorti de quoi? Si tu n'avais pas le repos, tu n'avais pas la paix, quelle chose allait prospérer dans ta main? Donc quand les choses prospèrent, apporte ça à Jésus. On n'a pas besoin de prier pour toi. Tu vois, ça, ce message-là, si tu as compris, tu ne vas pas ta. J'ai des filles spirituelles, quand ils ont compris ça, ils font offrir une attente plus prière. Je ne sais pas combien de fois. Jean-Claude, ça fait combien de fois on n'a pas prié pour toi? Lui, ça fait année. Si Dieu lui fait grâce, il vient chez moi. Ah, le vieux, voilà ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Je voulais faire quelque chose. Attends, on va prier. Non, ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ont dépassé prière, ça là. Mais ce n'est pas toi. Il a donné 1000 francs. Il dit, oui, papa, faut prends ta bouteille là, tu vois. Pardon, il faut verser la moitié sur ma tête. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler. Religieux. L'huile, on va verser sur ta tête, ça, c'est bon. Mais le problème est que faut rentrer dans une autre dimension. Ou bien, Francine? Il y a des gens qui sont à une certaine dimension, des filles comme des hommes, ils sont à une... Quand tu dis bon, je dis non, papa, j'ai pas besoin de ça. Parce que ils ont compris l'évangile. C'est le Seigneur qui bénit. C'est pas le mortel qui est là. Donc si j'ai donné mon offrande, ma dîme, et je m'arrête là, le pasteur, faites signe au pasteur, le dirigeant. Oh, c'est ça, je n'aime pas chez vous. Prie sur les gens. Le dirigeant, quand il passe ici, là, il marche par l'esprit. S'il n'a pas prié pour toi, c'est que Dieu t'a déjà béni. Ils vont faire signe. Ils vont m'envoyer papier. Oui, parce qu'il dit, il faut voir le dirigeant. Il n'a pas prié pour ceux qui ont envoyé la dîme. Il n'a pas prié. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Et ça veut dire que le pasteur ne doit jamais prier? Si. Mais c'est pas... Ça dit, il y a des fois... Il dit, vous êtes purs pour ce que vous avez entendu. Vous n'avez pas vu souvent, il a fini de prêcher, je suis montré. Ça vous a choqué? Mais qui sanctifie? C'est qui? C'est la parole qui sanctifie. Quand vous avez entendu ça, vous êtes déjà lavé. Tu vas même, tu peux dormir doux. Seulement que tu sais ce que ton mari va te faire. Le dernier point, c'est l'éthique. Dans l'ancienne alliance, c'est la mise en pratique de la loi de Moïse. Exode 19, verset 4 à 6. Exode 20, 1 à 17. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de loi au pays. Parce que la loi est inscrite dans ton cœur. C'est pourquoi tous ceux qui veulent obéir au commandement, vous allez souffrir. Dans la nouvelle alliance, l'éthique, la règle,
de Dieu, c'est l'amour de l'Esprit. L'amour du Saint-Esprit. L'amour qui est fruit de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes témoins, mes disciples. Ce qui va montrer dans ton attitude que toi là tu es en alliance avec Jésus-Christ, c'est ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain. C'est pas parler en langue. Tu peux parler en langue, mais ça ne veut pas dire que tu es un allié. C'est le seul signe. L'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Est-ce que quelqu'un a compris ces 5 points? Si tu as compris ça, on va appuyer prochainement. Il est 19h pile, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui là, je ne vais pas pécher contre Dieu. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On peut acclamer le Seigneur.